tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, surprise! Alors, c'est de la broderie. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui quand je dis que c'est une surprise? C'est que je vais vous faire gagner quelques petites choses. Donc, il y aura trois gagnants dans cette vidéo. Voilà, et oui, parce que c'est un concours. Chut. Non, vous pouvez le dire, hein, plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est un concours. Donc, je vais vous faire gagner trois petits kits. Voilà, ce n'est pas des grosses choses aujourd'hui, mais bon, des fois, il faut des gros kits, des fois, il faut des petits kits. Il faut changer, il faut varier. Et aujourd'hui... je vais peut-être pas les redéballer parce que je vous les ai déjà présentés en unboxing. Mais voilà. Alors, je vous fais gagner donc cette petite suspension. Voilà. Dedans, merci, je vais quand même vous montrer tout au moins sur les grandes lignes. Donc, vous avez la grille. Alors, si je me trompe pas, c'est du... je ne sais pas combien. Je crois que c'est du 14CT. Oui, c'est bien ça. Vous avez bien sûr les fils. Voilà, les couleurs. Je ne vous les remontre pas en détail, mais voilà. Vous avez la petite suspension en métal. Et vous avez également, donc, alors, je vous montre. Allez. Bon, il y a l'aiguille. Hein. Hop, elle est là, tout en bas. Voilà, il y a une aiguille. Et vous avez aussi un petit pompon rouge, comme ceci, pour mettre en dessous, là, voilà. Hop. Ici, en bas. Donc, quand vous aurez brodé votre broderie, il vous suffit de la laver déjà. Et après, vous la découpez avec un centimètre de chaque côté pour y coudre un tissu derrière. Et pourquoi pas y mettre aussi une... dans la précédente vidéo, je ne retrouvais pas le nom, mais là, je ne le retrouve toujours pas. Une petite mousse, vous savez, entre les deux. Voilà, entre le tissu et la broderie. Voilà. Et, ah oui, vous avez également un petit enfil aiguille comme ceci. Hop, donc ça, c'est le lot. Alors, pour une fois, je vous le dis dans ce sens-là. C'est le lot numéro 1. Voilà, ce sera le premier lot. Hop, on va remettre dans la pochette. Bon, je remettrai après, ça ira plus vite. Et ensuite, lot numéro 2. Où on aura des marque-pages avec vous voyez, les petits mannequins fleuris. Donc il y en a deux à faire et dedans c'est pareil, vous avez un pompon. Alors l'image a deux pompons, c'est pas moi qui ai piqué un pompon, hein. Dans ces lots là on a toujours qu'un seul pompon pour faire. Alors soit que vous faites deux marque-pages séparés, ou soit vous faites un recto verso, voilà. Mais vous avez la possibilité du coup de faire deux marque-pages. Et dans ce cas-là, après vous cousez un petit tissu derrière pour pas qu'on voit tous vos fils. Voilà. Et là, alors je vais juste vous montrer pour celui-là. Ce sont des toiles comme ceci en plastique. Voilà. Alors je crois qu'on a... Oui, il y a le petit stylo pour vous marquer le milieu ou voilà. Moi j'aime pas, je vous le dis franchement, j'aime pas parce que sur le plastique ça bave. Donc vaut mieux peut-être prendre un petit crayon gris, mettre un petit point sur le milieu de votre toile, mais ça j'aime pas. C'est assez goût, hein. Vous avez les fils bien sûr,
Et vous avez les grilles. Voilà. Et le petit pompon. Donc, ce sera pareil pour le lot numéro 3. Parce que le lot numéro 3, c'est également des marque-pages. Voilà. Alors, je ne vous redéballe pas tout, hein, parce que c'est exactement la même chose. C'est juste le dessin qui change et la couleur du pompon. Alors, le pompon, vous pouvez le voir là. Vous voyez, hop, il est rouge. Voilà, donc là, ce sont des petites roses. Donc, possibilité également de faire soit deux marque-pages séparés ou alors un recto verso. Et vous avez les grilles derrière. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite surprise vous aura plu. Mais pour participer, voilà, si vous êtes encore là, vous allez pouvoir participer parce que vous savez que je donne un mot magique pour participer au concours. Et comme sur ces trois kits, voilà, sur ces trois kits, il y a des pompons. Alors, je veux voir le mot pompon dans votre commentaire. Si le mot pompon n'est pas dans votre commentaire, votre participation ne sera pas prise en compte. Puis voilà, tout simplement. Donc, vous mettez le mot pompon. Alors, vous me le mettez comme vous voulez. Un petit bonjour d'abord, un petit bisou et le mot pompon. Voilà. Allez, vous avez, alors on est le 26, si je ne me trompe pas, 26 ou 27. Je vais laisser une quinzaine de jours. Donc, ça va faire jusqu'au 15, ouais, jusqu'au 15 mai. Je vous laisse pour participer à ce petit concours surprise. Et donc, surtout votre commentaire, le mot magique. Et le tirage au sort donc, aura lieu le 16. Voilà, tout simplement. Et je redonnerai les modalités pour les gagnantes dans la prochaine vidéo à ce moment-là. Vous pouvez participer en France ou à l'étranger. Il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des articles qui pèsent trop lourd, donc il n'y a pas de souci, je peux les envoyer à l'étranger, pas de différence, voilà, français, européen, Canada, allez-y, lâchez-vous, juste peut-être, pour moi savoir un peu d'où vous êtes, si vous êtes à l'étranger, ben, mettez-moi votre pays, comme ça je vois qui participe et dans quel pays, pour ceux qui ne marqueront pas, c'est qu'automatiquement ils seront de France, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!